Hey, salut tout le monde, c'est Dark là, avec 80, j'espère que vous allez bien mon perso. Je vais bien, je suis terminé, on va commencer notre 20e épisode sur Marvel Spider-Man. Pour croire certains rapports, Martin Lee, en plus d'avoir acquis des compétences bizarroïdes, comme l'autre, semble avoir récemment développé un genre de double personnalité. Paliverne, tentative éhontée d'échapper à la justice pour ses crimes. Il faudrait être idiot pour croire à ce Mister Positive qui vient en aide aux pauvres et hop, se transforme subitement en Mister Négative et qui fait sauter... Mais une petite minute, Mister Négative, on tient quelque chose là, Jared, hein? Foncez déposer la marque. Comme je le disais, le versant maléfique de Martin Lee, que tout le monde appelle désormais Mister Négative, est l'organisateur de l'attaque à la bombe sur l'hôtel de ville. Bon. Donc j'ai changé le son. J'ai mis en mode maximum, il me semble. Je sais plus. Parce que sur les autres vidéos, ça fait un petit écho. Ça fait un petit écho, c'est un peu chiant. Mais je couperai quand même le micro pendant les cinématiques. Comme là. Parker. Tu arrives juste à temps pour trinquer. Trinquer ? Attendez. Où sont mes bras ? Oh, wow. Trop cool. Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens, regarde ça. C'est impressionnant. Regardons. Hein ? Mais il y a une petite erreur. Pic de voltage. Ça se corrige facilement. 8, il en faut 2. On va faire ça. Hop. Hop. Pardon, j'ai attumé. Comme ça. Comme ça. Ah. Bah attendez. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Tout droit. Bah, il me semble. Il faut avoir deux, donc on va faire ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va voir si ça marche. C'est pire que ce que je croyais. Comment qu'on va faire cette fois-ci? Bah faisons ça. Bah faisons le tourner là. Hop, hop, hop. 5, direct. Tout droit. Oh mais comment tu veux faire? Ok, c'est bon, je vais trouver. En fait, faut... hop. 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 Bah ça fait 5. Hop. Ah. Ah. Comme ça.
parfait. Vu que ça l'est stabilisé. Oh. Ah, oh, le pic fait une cascade. Je sais pas si je peux arranger ça. Il faut que je passe par là. Après, faut faire ça. Hop. Hop. Non, il faut un tournant. Donc c'est pas par ici. Enfin, il faut se servir en tout cas. Ici, je pense qu'il en faut un truc. Non. Comme ça. Ouais, je suis bête. On va récupérer ça d'abord. On va regarder ce qu'on peut faire. Comme ça. Ok, c'est bon. Hop. 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 Ça. Et enfin. Ça. Donc ça fait toujours 7. Donc 2. 6. Ah. Là, on met 3. Allez. Voilà, parfait. Encore. Ah non, c'est bon. C'est pas bon. Docteur ? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche bien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Pour la première fois, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ne vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminer les bugs. Allez, pars. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Il est vénère, Otto. Il est vénère. Et oui, regardez, j'ai encore changé de costume. J'ai mis ce costume magnifique. Celui qui avait un Far From Home. Il est vraiment magnifique. Enfin, personnellement, j'adore. Je trouve qu'il est grave stylé. Regardez-le. Hop. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Hey Pete, salut
Miles, je voulais savoir comment ça allait par rapport à Martin Lee. Écoute, si t'as plus envie de bosser là-bas, moi et Tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai. Du moins, s'il mène le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci Pete, je dois y aller. Tante même a filé une liste de fournitures à acheter. A plus. A plus, comme tu dis. Non. Bon. Ça va? Tout va bien? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? C'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvais passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvais passes? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est elle vraiment qui tu es? Hé hey, monte le son! Je vais écouter ça! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grand Central. Quand est-ce que ça va finir? Peter? Capitaine Watanabe, laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous? Rappelez-moi dès que vous pouvez. Pourvu que le souffle du diable soit encore là-bas, et à l'abri. Si les démons ont trouvé le camion, ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Nouveau sondage. La popularité du maire Norman Osborn monte en flèche depuis l'arrestation de Martin Lee. Il est bien parti pour une réélection. J'ai un de ses soutiens au bout du fil. Parlez! Je vais voter pour Osborn. Il a eu Martin Lee et récupéré l'arme chimique. A sauvé. Et Spider-Man a joué un rôle crucial. Je vous arrête tout de suite parce que vous n'avez pas l'air d'avoir une vision d'ensemble. Oui, la menace est écartée. Mais comment en est-on arrivé là? D'où provient ce souffle du diable? Pourquoi Spider-Man a toujours l'air de tout savoir avant tout le monde? On sera en sécurité quand on aura la garantie que ça ne se reproduira pas. Et ma moustache me... Pardon, j'ai coupé un peu. This
souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Riker ? Il faut qu'on se dépêche. Grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft ? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable ? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance ? Ai-je vraiment le choix ? Oh non ! Fallait mettre ta ceinture ! Ok, je sais pas ce qu'il va faire à se battre. Arrêtez-les ! Plus vite ! Wow, c'est trop chaud. À tous les agents de correction, procédure de voyage engagée. C'est lui ou nous ? On sera à tous les gardes. Regagnez vos cellules. Je répète, regagnez vos cellules. J'ai l'impression que votre plan d'évasion a quelques lacunes. C'est pas des hommes de sang. Ils sont entrés dans l'armurerie. C'est grave. Ça a l'air grave. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lance-roquettes. Ok, c'est grave. On occupe. Oh, mais c'est quoi ce lance, fils de cake? Si vous regagnez tout gentiment vos cellules, on fermera les yeux sur ce qui s'est passé. Ok. Ok. Oh là là. Laissez-moi juste le temps de me réhabituer au jeu parce que ça fait plus matin que j'ai pas joué. De cake, là. C'est le capitaine Watanabe. Où êtes-vous ? Au panneau d'accès électrique. Sur le toit, près du bloc D. J'essaye de rétablir le courant. C'est vous dans l'hélico ? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Il y a eu une panne de courant. Et tout est parti en vrille. Tenez bon, on vient vous chercher le plus vite possible. Oh là là. Le pire, c'est que je le vois, hein, mais... En fait, je suis concentré à le taper, mais... Du coup, ça me tout. Spider-Man, vous pouvez aller sur le toit. Il y a un agent. Mais gros, attends, il en reste encore. J'arrive. Hey, ici la gante. Répondez. Quelqu'un est piégé derrière sa porte. Wow. Mais tape. Je sais pas ce qu'il attend. Parfait, hein. Répondez, je sais que je suis pas tout seul. Bah ouais, mais j'ai appuyé sur triangle. Moi aussi, je vais mettre. Mais ils sont pas sérieux, mec, c'est des pédales ou quoi? On va avoir des trucs comme ça là. Rien des gueules. Face de robe. Ils vont me tomber dessus. Faites-moi sortir de là. Ils arrivent. Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture. Aidez le directeur. Moi je regarde si je peux rétablir le courant. Ouais, pas de problème. Non, ah bah il est mort, je vais le dire. Qu'est-ce que ça fait ?
Waouh, mais gros, mais... mec, je sais plus jouer. Là. Ok, toi, j'y dégage. Ah, mais gros, mais... mais mec, mais c'est impossible, là. Qu'est-ce que je fous? Je joue comme une double. Je dois tous les éliminer. Oh, mais j'en ai marre de jouer comme ça, j'en ai marre. Oh, attention, oh, bon. On peut pas faire pire que ça. On peut toujours faire pire. Mais que... c'est bon, j'ai mort. Bon, vers la fin c'était plutôt bien. Dégagez tous. Pas bien du véhicule, hein, je vous prie. Allez, comme... parle avec l'accent, comment ça, l'accent du sud. Tout a l'air à peu près en ordre. Pas bien du véhicule, je vous prie. Vous m'avez pas dit que le rat craignait rien. Plus maintenant. Allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention, ah. Loris, je glisse. Tenez bon. Ça va? Oui. Soyez les bienvenus à la fête! Juste à temps pour le grand feu d'artifice! Liberté conditionnelle, les gars! Trop? Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Alors, vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous, d'accord? S'il vous plaît! Pardon, je vais réactiver mon micro, j'avais pas envie de faire le coup. Oh, mais mec, mais je suis en train de me faire enchaîner. Mais gros, mais qu'est-ce qui se passe? Mec, je joue tellement mal là. Mec. Wouah, mais gros. Mec, mais c'est quoi ces gueules? C'est Rino.
Oh non. Oh, j'espère qu'il t'aime la surprise, l'araignée. Oh, surprise? De quoi il parle? Surtension inattendue détectée. Équipe d'intervention requise d'urgence. Je peux pas tisser de toile. Procédure de confinement, bloc C. Engagez le couplage d'urgence. Ok, tu veux que j'aille par où? Mec, ah, qu'est-ce qu'il me fout? Je peux même pas avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Puis ici, il veut pas tisser toile, ce yan-yan là. Allez, allez! Oh, mais mec, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bon, bah, vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a. Enfin, si c'est le cas, abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas les gros pouces bleus qui pendant le 7 de la fin de la prochaine. Ciao, ciao!